arrive ne devrait pas en faire beaucoup des fashion faux pas, puisque c'est une candidate de taille. Elle va mettre la barre haut. Fanny, 25 ans, 1m72 et mannequin dans la vie. Bonjour, enchantée. Valérie. Fanny, enchantée. Bon, là, c'est la pub, mais je voulais juste vous montrer un petit truc, en fait. À la lumière, on va y voir. C'est dégueu, hein. Mais j'ai un petit bouton de fièvre qui vient de pousser. On se demande pourquoi. Voilà. Bon, sinon, à Los Angeles, c'est pas très très beau. Mais ça, c'est le nouvel appart. Je vais vous montrer la vue. Oh là, si j'arrive à ouvrir... C'est dommage parce que là-bas il y a la piscine et tout, mais ça va se dégager, je pense. Bon, regardez pas ma tête, mais bon. Là pour l'instant, l'émission ça va. Ça va. Mais j'ai peur pour la suite. Bien. Regardez la vue, on voit même pas le Hollywood, il y a trop de brume. C'est quoi cette chose? Bah voilà, le seul jour où on veut y aller, c'est fermé. Même s'il fait brumeux, on est monté sur les hauteurs. Hein. On va voir ce que ça donne niveau photo. Bon, là on est dans une boutique trop stylée de Santiago, enfin de vêtements. Regardez ces rollers, comme ils sont trop beaux. J'adore. Là on est dans un magasin de basket, c'est un truc de ouf. Et regardez, il y a un petit jeu. Je pense que si tu mets le truc dedans, tu gagnes la paire. Là, on est au magasin A, Urban Outfitter. Il est super grand, regardez. C'est géant ici. Regardez ces bouées. Ça, mais elle est énorme celle-ci. Allez, on va aller tester ça. Un petit fast-food, le premier des vacances. Oh, pas mal. XXL. Et toi? XXL. Moi j'ai pris le lundi. Ça c'est les XXL, il y a deux steaks, ouais. Trois steaks et du bacon. Ce qui est bien ici, c'est que on peut se choisir les boissons qu'on veut. Et là c'est de l'ice tea. C'est un peu rustique, on dirait qu'on est dans un fast food de l'ancien temps quoi. Le McDo à Lyon, il est plus moderne. Bon, le resto il s'appelle Fat Burger, donc voilà, on comprend mieux pourquoi. Bon appétit. Venez, on fait un petit chin dans mon vlog. Allez, chin. Downtown City, LA. Bon, là, on vient d'arriver à l'outlet qui s'appelle Citadel. Il y avait un peu de route, donc je me suis endormie dans la voiture. C'est un peu dur le décalage. Franchement, je pensais pas que ça serait aussi dur. Ça fait 4 jours qu'on est là, je suis hyper fatiguée en pleine journée. Donc je vous montre un peu Guess. Big White Beach. On va aller faire le coucher de soleil à Venice Beach. Ouais. Et ouais. Attendez, on n'est pas arrivé encore. Il sort à 19h le soleil, fermé, hein. C'est un peu deg. Voilà, on arrive à Venise, la plage est là.
Je vais pas montrer mon look. Mais par contre là il va commencer à faire nuit et du coup on n'a pas le droit de rester parce que ça craint vraiment trop, tout le monde nous a dit de pas rester la nuit ici. Bon les amis, là il est 22h, je viens de rentrer du sport, je suis allée faire une petite séance parce que demain j'ai un rendez-vous dans une agence de mannequins à Los Angeles, à Beverly Hills, et mercredi pareil j'ai un autre rendez-vous à Hollywood, donc ça me fait un peu stresser comme d'hab hein. Et du coup, il faut que je sois prête. Donc après le burger d'à midi, je suis allée au sport. Voilà. Bon, et ce soir, on va manger une petite salade. Et je sais pas si on va sortir ou pas, on verra. Bon aplati. Ce soir, c'est diète. Voilà. Bon, les amis, je vous filme pas ma tête parce que là, je vais aller me coucher. Il y a des amis à moi qui sont partis faire la fête. Et moi, j'ai dû faire un petit sacrifice de rester là. Déjà, un, parce que je suis fatiguée à cause du décalage. Et deux, j'ai un rendez-vous avec une agence de mannequins demain. Et franchement, faudrait que je sois un peu au top parce que je suis quand même à LA. Et je pense que la concurrence est rude. Donc voilà, je vais essayer d'aller dormir. En plus, demain, je dois me lever pour regarder les range shopping encore vers 8h du matin, je crois. Donc voilà, j'ai raté une grosse soirée, mais bon, c'est pas grave. Je vous dis bonne nuit, à demain pour le prochain vlog. Ciao! Ça y est, je suis prête pour le rendez-vous. Donc j'ai mis un jean basique, un débardeur noir et des talons, c'est tout. Il faut être le plus simple possible pour aller au casting.